Bonjour à tous, c'est un rôle que je n'ai pas eu depuis quelques années. Pour ceux qui ont connu, j'ai fait beaucoup d'expériences scientifiques, beaucoup d'expériences dangereuses. Aujourd'hui, je remets les gants, je remets la blouse, je remets les lunettes. Toujours pas de blouse à boutons. On a protégé toute la pièce pour être sûr, même l'ordinateur est protégé et l'ordinateur est important. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas au courant des expériences. C'est Brieux qui m'a préparé les expériences. Bonjour Brieux. Bonjour Pierre, bon courage. Merci Brieux. On m'a préparé des expériences que je vais tester parce que le but de cette série qui date hein, à l'ancienne hein, la série, c'est quoi ? C'est qu'on voit souvent sur internet des expériences réussies. Moi, je veux montrer aux gens la vérité. Est-ce que ces expériences réussissent du premier coup? Est-ce qu'elles sont faciles? Est-ce qu'elles sont difficiles? Si je rate, c'est raté. C'est pas grave. On y va. Expérience numéro 1, les mains enflammées. J'ai pas envie. Je sais pourquoi j'avais arrêté la série à l'époque, c'est que c'était dangereux en fait. Et là, j'ai pas envie de faire ça. Alors attends, je vais regarder à quoi ça ressemble. Il a sa main, il a du feu sur la main. Et après, ça finit sur il y a un geste de panique. Hein. Non, faut pas que tu paniques toi. D'accord. Donc là, c'est ce que ça doit donner. Maintenant, on va regarder un peu ce qu'il faut utiliser. Matériel requis. Liquide vaisselle, eau, recharge de briquet, une assiette creuse, un paquet d'allumettes. J'ai tout ce qu'il faut normalement, une assiette creuse, ok. Je peux prendre le plat. Ok. Je vais prendre ce plat de l'eau, liquide vaisselle, ok. Recharge de briquet. J'ai pas de recharge de briquet, Brieux. La première étape, normalement, c'est la plus facile. Faut trouver les ingrédients. J'ai pas de recharge de briquet. Dépêche-toi, Pierre, c'est ridicule. Tout le monde te regarde, c'est ridicule. J'ai pas. En fait, je vois pas de recharge de briquet. Dépêche-toi, Pierre, c'est long là. C'est ça ? C'est ça, le potassium. Attends, recharge de briquet ? Empreinte d'amidon. Avec un couvercle rouge. Oh, recharge universelle de gaz pour briquet, bien sûr ! Un paquet d'allumettes, ok. On ouvre pas les fenêtres, on est sûr de nous. Hein. D'accord, ça part. Alors, mélange de l'eau et du savon. Tu me tutoies. C'est un enfant pour toi le truc. Dans une assiette creuse. Aucune idée des quantités. C'est comme en cuisine dans le doute. On en met beaucoup. Allez, de l'eau. Allez, du liquide vaisselle. Prends une bonbonne. On dirait vraiment les trucs d'enfant. Prends une bonbonne de butane et fais pression avec dans le fond de l'assiette pour créer des bulles. C'est ça ? Parce que ça c'est pas butane. Hein. C'est recharge universelle de gaz pour briquet. 300 ml. Il y a du butane dedans. Oui, je te fais gagner du temps. Oui, merci, oui. Prends une bonbonne de butane et fais pression avec dans le fond de l'assiette pour créer des bulles. Tu peux mélanger un petit peu avant le savon et l'eau. Je mélange. Ça sent bon. Ça va s'éteindre le feu tout seul. Bah, j'ai pas testé moi, j'ai pas osé. Je sais rien faire, hein. Mais là, je. Non, t'appuies juste avec dans le fond de. Enlève ton doigt. T'appuies avec. Ouais, exactement. Ça crée des bulles à la surface. Vas-y, n'aie pas peur. J'ai peur. Exactement. Récupère les bulles dans le creux de ta main et mets-y le feu. C'est juste ça. Et fous le feu, quoi. Ah, voilà. Ok, je vais me lever quand même. Il me faut trois mains là. Tu veux pas faire la main ? Tu veux que je fasse la main moi ? Non, vas-y, je le fais moi. Mais t'es sûr de toi ? Ah non, moi j'ai pas voulu tester. Hein. T'as pas testé ? Attends. Non, tu sais. Oh, c'est triste. Attends, mais t'inquiète. Bah, attends, c'est moi le scientifique dans les. Ah ! C'est ouverture facile. Mais on a rien de qualifié en fait comme matos. T'as même pas pris une blouse avec des boutons ? Ah, attends, parce qu'ils disent pas qu'il faut faire ça devant du lycopode et des trucs comme ça. Moi j'ai peur que ça me revienne dans le ciboulot. Hein. Donc je fais ça. Je fais ça. Hein. C'est stylé, je refais. Bah oui, réessaye. Et n'aie pas peur, vraiment n'aie pas peur, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre avant que ça te brûle. J'ai envie de faire avec tout le corps. Et ah oui, alors, précision, ne faites pas ça chez vous. On voit bien qu'on est en non-maîtrise des éléments. Nous, on est accompagnés par des professionnels. Brieux, t'es la caution professionnelle de la vidéo. Je réessaye. Belle celle-là. Attends, que ça s'éteigne. En fait, naturellement, même depuis genre la préhistoire, en fait, l'homme a peur du feu. Et c'est normal. C'est-à-dire, c'est normal, y a pas d'argument. Le feu, il brûle, en fait. C'est ça l'argument de base. Première expérience réussie, impressionnante. Bravo à moi. On passe à la suivante. Expérience numéro 2, l'eau magique. Alors voilà à quoi ça ressemble. On met de l'eau. Enfin, je sais pas c'est quoi, c'est un mélange qui devient noir, ok. Hein ? C'est un mélange qui devient noir ? Ok. Donc, matériel requis, teinture d'iode. Teinture d'iode, oh oui. Eau oxygénée. Là. Empreinte d'amidon, ça j'ai vu ça, c'est ça. Acide ascorbique, ça doit être ça. Et deux bêchers. Quoi ? C'est pas un verbe. Hein ? C'est pas un verbe, c'est bêcher. Ah non ? Faut bêcher deux fois. Tu connais rien en science, toi. Deux bêchers, ça doit être cela. Let's go. Solution d'acide. Dissous 10 grammes d'acide ascorbique dans 36 centilitres d'eau. Évidemment, j'ai pas de verre doseur, j'ai rien. T'as une cuillère dedans et la cuillère, elle fait 1 gramme. Tu voulais pas prendre plus petit ? Comme ça, on prend encore plus de temps. Tu pouvais pas prendre une cuillère de 10 grammes ? Comme ça, on faisait une cuillère. Je mets où ? Dans le plus grand ou dans le plus petit ? Comme tu veux, tu verras. Une, deux, c'est long pour tout le monde, hein. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'était très long. Maintenant, 30 centilitres d'eau. Un gramme égale un centilitre. Bon, allez. Ah mais c'est facile. 30 centilitres. Enfin, 30 centilitres, c'est là. Il a marqué en plus. 30 centilitres, je sais ce que c'est à peu près une 1664. Il fallait pas que je mette des gants. Mettez des gants hein, chez vous. Hein. Je pourrais les reprendre pour le ski. Des gants là ? Ouais, il manque des gants. La dernière fois, je suis au ski, pas de gants. Tu vas au ski cet hiver ? Tu me parles comme un enfant dans les recettes et en vidéo. Ok. Hein. Souffle dedans avant pour qu'il soit plus élastique.
Au moins, ça va glisser. Hein. Ah, il pue de la gueule, le gars. Donc, on a tout ça. Solution de diode diluée. Ajoutée à 3 centilitres de teinture diode, 30 centilitres d'eau. Donc, c'est dans un autre bécher. Ouais, bécher. Non, c'est un bécher, une bécher. Ça fait toujours pas un gramme ou un centilitre ou t'as. Là, c'est. Ça, c'est un centilitre, on a dit. On a dit que c'est un gramme. Un gramme, c'est pas vrai. 1, 2, 3. Ok. Avec ça, 30 centilitres d'eau. Ah, ça, c'est 25 centilitres. Mais si je vais à ras-bord, je pense que ça fait 30. Solution d'eau oxygénée. Prélève 46 centilitres d'eau oxygénée et ajoute 54 centilitres d'eau. Il y a un problème de maths. Pour un troisième récipient. Alors. Tu mesures comment là? Et là, il y a 36 centilitres. On fait des tests avant. Tout est long. Ça marche, c'est un miracle. En fait, il faut mettre à peu près la même quantité d'eau. Il faut mettre 46 centilitres d'oxygène et 54 centilitres d'eau. En termes de chimie, c'est à peu près la même chose, quoi. Si on va être précis. Ouais, wow, je mets à peu près ça, on verra. Hein. Et donc là, je dois mettre à peu près la même chose d'eau, un peu plus. Ça, je suis bon, ça. Parce que quand je fais les cocktails, des fois, je fais des trucs sans les doses et j'y arrive plutôt bien. Ok, j'ai tout fait. Dans un premier bécher noté A. Merde, faut noter A quelque part. Verse 10 centilitres de la solution de diode. Ah, j'ai oublié c'était laquelle. J'ai 3 béchers là. Bécher. Regarde comment ça s'écrit. 3, 2, 1. À peu près. Ajoute 3 centilitres de la solution d'acide ascorbique. Acide ascorbique, c'est la première qu'on a faite. Et là, attention. Magitum en parallèles. La magie opère. Ok, déjà là, on a effacé la couleur. Pas mal. Dans un second bécher, noté B. Tu seras mon bécher B. Verser 15 centilitres de la solution d'eau oxygénée diluée. C'était celle-là. Hein. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Ajoutez 5 centilitres d'empois d'amidon. C'est chaud. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pour commencer la réaction, verse le contenu du bécher A dans le bécher B. Tu fais A dans B, puis B dans A. Ah, A dans B, dans tout, 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 tout. Et attention. Là, tu fais B dans A. Et c'est là que ça va opérer? Non, non, non. Après, tu le poses sur la table et t'attends. Vu les doses, je suis pas sûr. L'autre fois, j'ai fait au gramme près et ça a bien marché, mais là, t'étais à 30, 40 grammes près, je pense. Ah, attends, je verse tout? Vous êtes sûr qu'on manipule dans une salle fermée, qu'il y a des gaz qui nous montent dessus, des acides, tout va bien. C'est rien, je suis pas prof de SVT. Hein. Ça faisait cette couleur quand t'as testé? C'était plus transparent, c'était translucide. Et là, par contre, faut attendre bien une minute. Transparent ou translucide? Faut être précis dans les termes parce que c'est... la chimie, c'est des histoires de précision aussi. C'est quoi la différence entre les deux? C'est pas pareil. Entre le sens des mots. Oui, mais transparent, T-R-E-N-S-A-P-A-R-E-A-N-T. Translucide, T-R-E-N-S-L-U-C-S-I-D-E. Terre de sud. C'est censé changer de couleur d'un coup? Ouais, mais avec les bonnes quantités. Ah, mais j'avais pas assez de matos pour faire la bonne quantité. Hein. Maintenant, c'est raté là. Hein. Peut-être ça a changé de couleur. Hein. Je vous ai dit, le but de la vidéo, c'est voir ce qui réussit, ce qui réussit pas. Expérience numéro 3, la poudre hydrophobe. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une poudre qui reste collée. Et quand tu, j'imagine, quand tu sors ton doigt, elle s'en va? En gros, c'est une poudre que tu mets à la surface de l'eau. Et quand tu mets ta main dans l'eau, ta main est pas mouillée. Ah, la main est pas mouillée! Ah, ok. Alors, il faut de la poudre de lycopode. La poudre de lycopode, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le lycopode, c'est un petit rongeur. Et en fait, on le fait chauffer à très forte température. On en fait de la poudre. Ouais, mais on tue des animaux. Non, c'est pas vraiment ok. La poudre de lycopode. Ah, c'est ça, mais oui. De l'eau, encore. J'ai l'impression que l'eau, c'est un peu la base de la chimie parfois. Contenant en verre. Je suis pas le dernier des cons, hein. Je vais mettre là-dedans. Et une feuille de papier. Alors, il m'en faudrait brilleux. Juste ici. C'est moi qui... Ouais, juste ici. Est-ce que tu pourrais me récupérer une autre feuille de papier? Parce que sur une précédente expérience que j'ai réussi, avec du feu, je l'avais abîmée. Pendant ce temps, je commence ma préparation. Verse de l'eau dans le récipient en verre. On va mettre une grande quantité parce qu'apparemment, il va falloir plonger la main à l'intérieur. Saupoudre de la poudre sur l'eau. On dirait un petit poivre. Donc elle, en fait, son rôle, elle reste au-dessus de l'eau, elle se mélange pas avec l'eau, c'est ça? Ouais, son rôle, si tu veux appeler ça comme ça. Ça va, non? Ou c'est pas assez? Non, je crois que c'est suffisant. Ouais. Trempe ta main directement. Ma main est trempée, en fait. Ma main est trempée, je suis sale et il n'y a aucun intérêt. Tu m'as mis du poivre en fait. Mais bien regarder la recette. Il y avait deux trucs à faire. Peut-être fallait du temps. Non, c'est trempé. C'est trempé ma main. Bah, essaye de mettre plus de poudre. Attends, t'as ce qu'on appelle en chimie un torchon. Oui, bien sûr. Je mets à fond de l'eau et à fond de la lycopode là. C'est pas un troll, t'as pas... Non, ça a vraiment marché. J'ai bien mis mon téléphone dedans. T'as mis plus alors? Ouais. Ou peut-être moins. Un plus. Là, je vais pas mouiller, c'est normal. Il y a 15 cm de poudre. Je vais même pas atteindre l'eau. Ah, ça a l'air... Franchement, ça a l'air hydrophobe. Ça s'est mélangé là, tu fous ma gueule, c'est du paprika. Et sur tes doigts? Non, reste pas. Ah! C'est tout raté. Genre, si je plonge pas longtemps, c'est bon. Ouais. Ah oui. Ok, là d'accord. Là, c'est pas mouillé. Ah oui, d'accord là. Feuille de papier. Donc, feuille de papier, si c'est mouillé là, pour le coup, on peut pas tricher. Hein. Attention. Mais là, t'allais trop vite.
C'est pas mouillé. Ça n'a pas du tout pris l'eau. Regardez, la feuille ressort. Elle est totalement translucide. Expérience réussie. Tu mets ça avec ton téléphone? Bah non. Je vais remettre. Voilà, avec la dose que je mets, il y a même plus d'eau en fait. Regardez, je vais vous montrer quand même que je suis pas n'importe qui en chimie. Ah, là d'accord. Regardez, là maintenant je me sens en confiance. J'ai repris une feuille. Là ça y est. Tu le fais mal. Regarde au centre de la feuille. Totalement sèche. Aucune trace. Elle est propre. C'est joyeux. Normalement, je t'avais dit, il faut en réussir 4-5 et on va rater 2. Il en reste 3. On a tout raté là. Bon, on passe à l'expérience suivante. Expérience numéro 4, le métal magique. Intéressant. Donc on a une sorte de matière qui va être saupoudrée de métal et ça va donner quoi? Sans doute un métal magique, je pense. Et ça crée du métal. Oh, en fait, on fait de la soudure. Aucune notion. Métal requis. Une pièce d'un euro. Tu peux la garder après? Ouais. Je l'ai dans la main. Pièce d'un euro, du gallium. Oh, c'est stylé. Hein. C'est quoi du gallium? C'est un métal avec une température de fusion très basse. C'est-à-dire que c'est à 29,6 degrés, ça fond. Il fond notamment. Ah ouais? On a de la pâte à modeler et une assiette. Oh, on aura un replay hein, où on avait le truc devant. Je peux la garder après? Je l'ai dans la main. Donc on a une expérience réussie en fait. Là franchement je suis content. Là c'est un scientifique heureux. Fais la forme que tu veux dans la pâte à modeler et dépose-y du gallium, dépose-le au frais et attends que ça durcisse. Donc là je fais la pâte à modeler que je veux. On fait quoi comme forme? Ok. Un zizi ou un cœur? Un zizi. T'as un moule à zizi. Des fois ça existe hein, pour les gâteaux. Des moules à zizi? Oui, des moules à zizi qui ont la forme de zizi. Alors, je fais la petite pâte à modeler. Ok. Et là je fais la forme que je veux. Donc je dois faire une sorte de moule quoi. Exactement. C'est pas nickel nickel, attends. Tu pourras le garder après. Ah ouais? Tu peux même le refaire fondre si tu veux en faire un autre. Ça c'est pas mal. Je veux bien le métal. Alors, je teste la flottabilité. Je vais mettre la pièce de métal. Tout est raté. Elle a plongé la tête dedans. Tu peux mettre mon doigt ou c'est dangereux? Non, vas-y, vas-y. Il est coincé. C'est raté. Hein. Tout est raté. Ah! Ah voilà, elle flotte dessus. Tu vois ou pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'argent liquide? T'aimes bien? C'est de la poésie. Alors attention. Ouh, attention aux zizi. Ça va être un beau zizi, ça. Vous êtes des gamins, en vrai. Il manque une goutte, là, au bout. Allez, la dernière goutte du bout. Allez, faut secouer pour la dernière goutte, là. Ça se trouve, je respire un truc hyper toxique. Bon, allez, ça suffit. Je vais le mettre au frais. Ouais, on met dehors. Attention, hein. Respecte bien la forme. Hein. Pendant que Brieux met ça au frais, on va enchaîner avec l'expérience suivante qui s'appelle marcher sur l'eau. Mais ça va pas marcher, quoi. Je vais mouiller pour rien, en fait. Alors, on va marcher là-dessus. Si vraiment j'y crois, j'y vais en chaussure. Mais comme même la main, ça va pas marcher, je vois pas comment ça marcherait pas. Et le liquide noir? Le liquide noir, ça va marcher. Il faut de la fécule de maïs, de l'eau et une piscine gonflable. Piscine gonflable, ça, eau, fécule de maïs. Verse la fécule de maïs et l'eau dans la piscine et mélange patiemment. Enlève tes chaussures et marche sur l'eau. Il y a aucune quantité. Voyeux, tu nous as bâclé le taf. Je mets quoi d'abord? D'abord la fécule, ouais. Ah, comme ça? C'est lourd ou pas? Non. Oh, si. 25 kilos. 25? C'est lourd. Bah heureusement que je vais marcher dessus. Je vais pas couler avec ça. Hein. Oh, c'est une sorte de farine. Et regardez, je plonge ma main, elle ressort. Elle est indemne. Non, pas, il y a un indemne. Ok, bah là, je verse de l'eau patiemment. C'est bien, tout d'un côté, c'est cool pour mélanger au moins, tu vois. Tu regretteras pas tout ça là. Non, c'est bon, peut-être. C'est bon. Et là, je mélange à la main. Là. J'ai l'impression que tu m'as trollé sur tout et que rien marche. C'est juste pour me faire faire des trucs de con. Est-ce que tu passes un bon moment? Bah non, mais y a pas assez d'eau en plus. Parce que dans la vidéo qu'on a vue, ça ressemblait à de l'eau. Non, ça ressemblera à de l'eau, t'inquiète. S'il y a trop d'eau, ça va pas marcher. Hein. Ah voilà, là, je suis patient. Là. J'avais déjà fait cette expérience à la main, dans un saladier, en claquant le lot. Franchement, je trouve que de ce côté-là, j'ai été patient. Oui, oui, bah, sois patient de l'autre côté aussi. Je vais rajouter de l'eau. Tu te souviens, Pierre, s'il y a trop d'eau, ça marchera pas. Et là t'as fait quoi, là? Et j'ai mis de l'eau. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il y avait pas assez d'eau, justement. Je pense que ça va pas marcher. Hein. On enlève de l'eau? Ça va être long, hein. Tu peux m'aider? On va lever la piscine un peu. Ah super ça. Franchement, on fait un beau duo. On devrait, ouais, écrire un spectacle. Mais en fait, je pense que ce qui est impressionnant, c'est dans une piscine. Oui, mais dans une piscine où tu peux tomber. Genre Moïse, s'il avait marché sur ça, ça va pas être impressionnant. Ce qui a impressionné les gens, c'est que c'était sur la mer, tu vois. Ouais, dans la mer, t'imagines la quantité de fécule de maïs? Bah si t'as pas envie, t'as pas envie. Hein. Allez, vas-y, marche dedans. Attends, j'ai rien déjà que c'est une apparence de plat. J'y vais? Bah oui, vas-y. T'es nu? Ouais, je pense. Oh, les pauvres chaussures. Ah, c'est froid. Ouh, j'enlève les petites aspérités. Hein. En fait, je suis juste dans un pédiluve, me salir les pieds à la farine, quoi. J'y vais vite ou normal? Normal. Ça marche pas du tout. Alors, impressionnant? En fait, on a juste mis de la maïzena dans de l'eau et je marche dedans, quoi. Il y a aucun intérêt. On a eu l'impression de Moïse. Tu veux chonnette avec toi? Ouais. Ouais, franchement, c'était impressionnant. Je pense que les gens le diront encore. T'as l'impression d'avoir fait du bon boulot. Là, je suis satisfait, ouais. En fait, c'est hyper dur en dessous, donc oui, je suis obligé de marcher dessus. Ah, attends, on va faire un autre test. Je vais me mettre dedans, voir si je coule. Je pense que tu vas t'enfoncer. Même pas. Tu veux qu'on essaye avec moins d'eau? Non, on va faire un truc impressionnant. Ça va être, franchement, ça va être stylé pour eux. Regardez, je vais marcher sur l'eau.
Voilà, alors là, il y en a pas assez. Mais là, au milieu, ça va. Regarde, regarde, regarde. Ah, c'est bien, là. Genre là, on est tous impressionnés. Fais-le en courant. Et si tu restes sans bouger? Ok. Un peu, là. On ne voit presque plus, là, déjà. Je vais bientôt étouffer, hein. C'est dangereux, là. On passe à l'expérience suivante. Expérience suivante. Messieurs, dames, on est de retour. J'ai les pieds trempés avec du maïs, ça n'a aucun sens. Oh, ils m'ont mis dentifrice éléphant. Dentifrice éléphant, pour ceux qui n'ont pas suivi cette série, je l'ai raté beaucoup de fois, je l'ai réussi une ou deux fois, mais on va essayer de le refaire au mieux, en plus propre, en magnifique. Liquide vaisselle, oxygéné, iodure de potassium, éprouvette XXL, béchère, grande protection, dans un bécher. Dissous de l'iodure de potassium dans de l'eau. Encore une fois, pas de dose, et après on m'accuse. Dans le doute, je mets tout. Ah bah tu vois, d'habitude, je trempe mes pieds dans les trucs comme ça. Hein. Et la petite astuce du chef qui était pas notée dans la recette, tu peux ajouter de la levure. Quand on finit de taper le pot vide. Je mets de la levure plus. Ouais. C'est ma petite recette secrète. Faudra que je m'enlève au moment où ça va. Sinon, je vais prendre cher. Pas pour mes chers. Ouais. Je mets tout. Pense toi qui vaut. Vas-y, tu sais quoi, je mets pas tout. Je regarde un peu si j'avais besoin de faire un gâteau ce soir. Et de l'eau. Prochaine fois, quand tu prends des gants, tu pourras prendre des gants dans tous les doigts jusqu'au bout. J'en mets un peu. Prends mes responsabilités. Pierre et Marie Curie, à un moment, ils ont pris la responsabilité pour trouver le vaccin contre la rage. Hein. Ok. Dans une éprouvette XXL, mélange de liquide de vaisselle et de l'eau oxygénée. Pas de dose. Liquide vaisselle. Mets tout. Peut-être pas, non. Ah, Pierre, c'est pas mal, là, déjà. C'est assez? Ouais, c'est suffisant. Mais là, on va défoncer ce tuyau. Oxygéné. On a le bon volume? Ouais, 30. C'est hyper fort. Mettre des boules caisses. 30 de volume. Oui, non, mais... Ouais. C'est assez? Je mettrai tout ce qui te reste en eau oxygénée. Notre spectacle, il s'appellera l'alchimie. Oh, à part nous deux? Ouais. Ok, verse le contenu du bécher dans l'éprouvette en t'écartant rapidement. Genre, si je m'écarte pas rapidement, l'expérience elle rate. Ok, attention. 3, 2, 1, c'est une réussite. Pourquoi j'ai raté encore? Je suis pas la recette. Mais y'a pas de dose? L'échec est total encore une fois. Je suis deg, là. En fait, c'est une compétence que je maîtrisais et que j'ai reperdu. Mais avant de finir, découvrons le zizi. Ah! Le zizi! Le zizi! Les gars, on a un beau zizi, bien dur, alors qu'il sort du froid. Oh, il est impressionnant. Geoffrey, tu veux toucher un peu mon zizi? Vas-y. Merci. Tu veux toucher mon zizi, Brie? La vache. Il est un peu rugueux. Et du coup, là, si je le chauffe, il ramollit. Ouais, non, ils font. Ça va faire. Ils font. Ce zizi sera le souvenir de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour cette expérience. Merci, Brie, pour cette préparation. Brie, voici ton salaire. Non, c'est la mienne, je t'avoue. Merci. Bravo à tous. Merci pour cette expérience. J'espère que ça vous a plu. On remet ça très bientôt. Ciao, ciao.